que vous aimez le pain d'épices? Oui, bien sûr, sinon vous ne seriez pas là. Oui, mais voilà, vous avez décidé de supprimer le gluten et ou les produits laitiers de votre alimentation. Et là, tout de suite, faire un pain d'épices, ben, c'est moins évident. En fait, pas du tout. Il suffit de connaître les ficelles. Allez, je vous donne ma recette du pain d'épices sans gluten, sans produits laitiers et sans épices. Non, je plaisante. Allez, on y va. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ton assiette, c'est Virginie. Sur cette chaîne, je partage avec vous mes décodages alimentaires, mes meilleures recettes, sans gluten et sans produits laitiers, pour vous aider à aller vers une alimentation hypotoxique et être en pleine forme. Si vous êtes nouveau ici, songez à vous abonner juste là. Quand on passe à la cuisine sans gluten et sans produits laitiers, toutes nos recettes de cuisine sont chamboulées. Et oui, plus de farine, plus de blé, plus de beurre. On fait comment? En fait, c'est qu'une question de repère. D'ailleurs, mon pain d'épices sans gluten et sans lait est 100 fois meilleur que celui que je faisais avant. Mais allez, je vous donne ma recette en image. Et juste après le tuto, je vous donne une astuce déco et une astuce pour le moelleux. C'est parti! Alors, il est pas bon mon pain d'épices? Oh là là, vous avez vu la transition un petit peu? Je vous avais promis une astuce déco. Allez, c'est parti. Alors surtout, rien de compliqué pour la maman pressée que je suis. J'ai pas le temps de passer trop de temps sur la déco des gâteaux. Et puis, ce qui fait la beauté du pain d'épices, c'est la crevasse, la belle crevasse au milieu quand il monte. Je sais pas vous, mais moi, ça réveille ma gourmandise. Alors voici une astuce pour avoir justement cette crevasse au centre, là où vous voulez. Quand vous avez versé votre pâte dans le moule, vous allez juste rajouter un trait d'huile d'olive au-dessus et hop, à la cuisson. Direction ma deuxième astuce pour le moelleux. Eh bien, c'est tout simple, je le cuis à la vapeur. Oui, à la vapeur. Cuisson à la vapeur pendant 45 minutes. Allez, ça marche aussi au four et je vous explique comment dans l'article. Tout est détaillé, je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo. Vous y retrouverez aussi toute la recette. Et oui, je sais qu'au bout de 2 minutes, vous en avez assez de m'entendre parler. Donc, je fais court. Si vous souhaitez d'autres recettes simples et efficaces, sans gluten et sans produits laitiers, je vous mets également le lien en dessous dans le descriptif. Si cette vidéo vous a plu, mettez-moi un petit pouce bleu. Et en fait, cette recette est une recette que j'appelle une recette incognito. Personne ne se rendra compte qu'il n'y a pas de gluten ni de beurre dedans. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez y aller. A très bientôt pour de prochaines vidéos. Et en attendant, n'oubliez pas de soigner votre assiette.